Audio Jungle. Bienvenue et merci à tous de respecter le rendez-vous du foot européen sur Spare FM. L'aventure de ce jour se déroule avec Franck Nounyama. Bonjour Franck, comment vous allez? Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Ça va, on se plaint pas. Le week-end s'est bien passé? Ben, on a essayé, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est d'être sur les pieds, ouais, et de pouvoir faire ce qu'on aime le plus. Et de savourer chaque moment comme voilà, si c'était le dernier. On est très bien présent sur le plateau et ça fait plaisir. Merci d'être là. Merci. Bonjour Fifia Sogbavi. Bonjour Angelo, je salue le plateau et je salue également nos auditrices et nos auditeurs. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Ça va. Un week-end un peu chargé, mais bon, je dirais que ce matin, je suis en forme. C'est, bon, c'est l'essentiel. Vous avez souvent l'énergie pour pouvoir affronter ce genre de choses. Beaucoup de courage à vous. Nous avons également en studio Julien dans l'été. Je ne sais pas si c'est l'homonyme ou le frère de Zinedine Zidane. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le Real Madrid. Bonjour Julien. Bonjour Angelo. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, c'est un plaisir. Ah oui. Vous vous sentez comment aujourd'hui après le sacre en Liga? Comme un champion. Ah oui. Comme un champion. Ça se voit avec votre écharpe. Hein. Je vous conseille, chers auditeurs, d'aller sur la plateforme de Sport FM et puis ou sur YouTube pour voir justement l'écharpe du Real Madrid sur l'épaule de Julien dans l'été. Dans PFE ce lundi, de quoi nous parlons? Juste derrière, la Liga, projecteur éteint sur le championnat des étoiles, le Real sacré grâce à son fils prodigue, au crâne reluisant et au sourire angélique, Zinedine Zidane. Bilan en chiffres d'une saison pénible due à la Covid-19. Nous faisons un tour au pays de Sa Majesté Leicester qui lâche du lest, puis la Serie A où la vieille dame avance piano sano vers un 9e scudetto d'affilée. Moreno viré, Kovac nouveau coach de l'AS Monaco. Pour quels objectifs? On en parle dans Plateau Foot Europe numéro 630. Mise en onde Théo Ajavon et Loma Dovon. Lui est le réalisateur vidéo de cette émission à regarder sur Radiosport FM, TG.com et sur YouTube. Je suis Angelo Folicue, tout sur le foot européen. Bienvenue. Salta al Madrid, salta al Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Alors, nous parlons justement de ce championnat des étoiles, le rideau tombé tout simplement ce week-end sur la 38e et dernière journée de la Liga espagnole avec le sacre du Real Madrid. Julien, dans l'été, vous, on va vous poser la première question. Est-ce que vous voyez depuis le début de saison cette équipe du Real Madrid finir champion? Franchement, sans vous mentir, je ne le sentais pas parce qu'on avait débuté un peu mal le championnat. Mais bon, vous connaissez bien le Real. C'est une équipe qui aime la deuxième étape du championnat. Donc, tous les fans presque comptaient sur l'étape suivante pour pouvoir être au devant des scènes. Voilà. D'autant plus qu'avant le coronavirus, le Barça était devant avec seulement 2 points. Pour vous, ce n'était pas aussi grand comme écart. Le Real pouvait revenir. Ah, c'était grand, hein. 2 points, vous connaissez bien l'équipe barcelonaise. C'est une équipe qui vraiment a des atouts offensifs également. Mais bon, connaissant bien et Zidane avec sa manière de gérer l'effectif, bon, on peut dire qu'on a cru jusqu'au bout. Voilà. Vous qui aimez ce Real Madrid, qu'est-ce que Zidane a apporté à cette équipe selon vous? Je dirais d'emblée la sérénité, hein. Parce que nous connaissons très bien que l'équipe était carrément chaos. Et presque tous les joueurs, les Modric, Kroos, Casemiro, qui étaient vraiment les moteurs de relance de cette équipe, étaient complètement à la rue. Hein. Donc, on peut dire que le Covid-19 a sauvé un peu le Real Madrid pour la gestion du championnat, pour la suite de la gestion du championnat. Donc, tant mieux. En tout cas, bravo pour ce titre, hein. Autant mérité parce que la compétition post-Covid-19, le Real a tout simplement assuré. Alors, Franck Nounyama, on va toujours parler de ce Real Madrid. On commence d'abord par l'effectif en débutant par l'arrière Thibaut Courtois. Depuis un bon moment, il n'encaisse plus de buts et curieusement, et ouais, de façon légitime, il devient, voilà, il a le trophée Zamora du meilleur gardien de la Liga. Comment vous comprenez ce regain de forme de l'international belge?
Je pense qu'il a connu un début assez compliqué au niveau du Real Madrid parce qu'il succède à un très bon gardien, Keylor Navas, qui a gagné 3 Ligues des Champions de suite. Thibaut Courtois, lui, devait quand même assurer son statut, mais ce sont des débuts très compliqués avec des buts gags qu'il encaissait. Mais petit à petit, il a su rentrer, on va dire, dans l'effectif, il a su s'intégrer pour finalement faire un bon boulot. Comme le disait Julien Dalité, je pense que quelque part, le repos de 3 mois, le repos forcé de 3 mois a fait du bien à cette équipe du Real Madrid. On a su se reconstruire, on a su se parler, on a su se remettre en confiance parce que quand même 2 points de retard sur le Football Club Barcelone, ce n'était pas évident de revenir. Donc il fallait faire un restart très propre, très correct. C'est ce que cette équipe a su faire avec un Zinedine Zidane qui tient un discours de patron, un discours de quelqu'un qui connaît le football, qui a été champion du monde, champion d'Europe, qui a tout gagné pratiquement. Donc ça a relevé le niveau de confiance des joueurs parce qu'à un moment donné, c'est des joueurs qui étaient quand même, on va dire, un peu carbonisés. Rossé, souvenez-vous un peu du mois d'octobre où le Real a traversé des moments très compliqués. Donc je pense que c'est des joueurs qui se sont parlé. Il y avait une concentration qu'ils ont retrouvée, une certaine sérénité, une certaine confiance et aujourd'hui ils sont là et ils gagnent le championnat avec 5 points de plus que le Barça, c'était pas évident donc félicitations à cette équipe. On peut dire que dans ce genre de compétition, il ne faut rien lâcher et croire jusqu'au bout. C'est l'illustration réelle de cette équipe du Real Madrid. Oui, du Real Madrid, tu viens de le dire, croire jusqu'au bout. Surtout qu'après le confinement, après les 3 mois passés à la maison, ils reviennent et ils ne commencent pas à gagner. Je crois que la confiance est revenue et ils se sont dit, mais c'est possible d'aller jusqu'au bout. Et au même moment, je crois que le Barcelone Football Club les a aussi aidés. Parce que si le Barça était revenu avec les mêmes performances qu'à l'arrêt. Oui. Et à un moment donné, peut-être que le Real aurait aussi douté. Maintenant, le Barça est revenu et n'alignait plus les victoires. À ce moment, le Real lui a continué à croire jusqu'au bout. Et aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de 2 points qu'il est séparé avant le confinement, avant l'arrêt du championnat. Mais au bout, à la fin, c'est pratiquement 6 ou 5. C'est 5 points maintenant. Le Real a 87 points, le Barça finit 82 unités. Là, on comprend carrément que le Barça a totalement lâché à ce retour-là et c'est compliqué. Il faut saluer le travail de Zinedine Zidane, comme vous venez de le dire. Il a apporté beaucoup de choses. On se rappelle, avant l'arrivée de Zidane, ce qu'était le Real de Madrid. C'était une équipe totalement. Ils ont changé 2 entraîneurs, Lopetegui et puis l'autre là qui était du côté de Liverpool, Benitez, est passé par là. Mais Donc c'était totalement une équipe à la rue. On se disait, est-ce que cette équipe est capable d'aller chercher ce titre-là? Et on voyait déjà même la fin de cette équipe. On disait, il faut repenser à une nouvelle équipe. Mais Zidane est le magicien. Il est arrivé, il a amené la sérénité. On n'y croyait pas. Moi, aujourd'hui, je me dis que Zidane est un grand entraîneur. Parce qu'à l'époque... Il fait partie des grands, désormais. Pour moi, pourquoi je le dis? Parce qu'avant qu'il ne gagne les 3 Ligue des Champions. Les Ligue des Champions, le Real était d'affilée, il faut le préciser. Le Real avait des joueurs qui étaient terriblement en forme à ce moment. Et tout le monde se doutait, est-ce que c'était pas parce que les joueurs, il y avait de bons joueurs, des joueurs en forme, des joueurs engagés. Mais maintenant, il nous a prouvé sur cette saison que malgré les problèmes, malgré tout, il est capable de remotiver sa troupe, de reparler à ces joueurs-là. On a vu Kroos et comment Luka Modric, vers la fin de ce championnat, ça veut dire qu'il a fait un travail énorme. Et pour moi, je le classe aujourd'hui parmi les grands entraîneurs. Zinedine Zidane. On va d'ailleurs écouter l'ancien capitaine des Bleus. Et derrière, on continue les commentaires. C'est une émotion tremenda, tremenda. Me alegro porque al final son muy difícil la Liga Española, muy difícil. C'est une émotion énorme parce que c'est vraiment très difficile de gagner la Liga. Quand il y a une critique ou un compliment, ça ne m'atteint pas. Je ne vais pas être plus heureux ou moins heureux. Je crois que ce que je vais faire, c'est essayer de faire mon travail. Je suis passionné. J'ai de la chance d'être dans ce grand club avec ses joueurs parce qu'ils ont combattu. Et on a obtenu quelque chose de vraiment beau après le confinement. Ce sont quand même 10 victoires en 10 matchs. Et ça, c'est juste énorme. C'est énorme. Zinedine Zidane, Julien qui dit ce n'est pas facile de gagner la Liga, d'autant plus qu'il y a certains d'autres observateurs qui disent que ce championnat est tellement facile, ce n'est pas du tout un championnat comme la Première Ligue. Quel est votre avis là-dessus? Je crois qu'il se trompe, vu surtout la reprise depuis
et le Covid-19, nous avons vu que presque toutes les équipes se battaient. D'autres voulaient se maintenir, d'autres voulaient se qualifier pour l'Europe, etc. Donc, quand vous voyez au moins les 11 journées que nous avons vécues, il faut se dire que c'est une Liga qui est vraiment compliquée cette saison. C'est pas assez facile, comme le pensent les gens. Franck Lounyama, on va aborder un autre aspect de cette belle performance du Real Madrid. Il faut être champion grâce à une très bonne défense. La Casablanca finit avec la meilleure défense du championnat, avec 25 buts encaissés. La force de cette équipe là derrière, Ramos, Varane, le jeune Ferland Mendy, ouais. Et puis Carvajal, sans oublier Thibaut Courtois. Ouais. Je pense que c'est une équipe totalement construite par Zinedine Zidane et surtout la défense. Vous savez, il faut avoir une équipe équilibrée à tous les niveaux. Il ne sert à rien d'avoir une attaque de feu et puis derrière, on s'écroule à chaque moment. Donc, je pense que ça a été l'un des points forts, sinon le point fort de cette équipe du Real Madrid avec un maître en défense, Sergio Ramos, qu'on ne présente plus. Qui s'est transformé cette année. Qui a sauvé son équipe à plusieurs reprises. Oui. Je pense que c'est un capitaine courage, c'est un capitaine exemplaire qui apporte toujours cette transcendance pour vraiment tirer son équipe vers le haut. Je crois qu'il a fait surtout au niveau de ce restart qui a permis qu'à Montréal aujourd'hui de devenir champion d'Espagne pour la première fois. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de complicité entre Sergio Ramos, Varane et parfois Eder Militao, Carvajal et puis le jeune Ferland Mendy. Donc Zidane est un, j'allais dire, meneur d'hommes. Tout ce qui font partie de cet effectif sont importants pour lui. Il a tout fait pour bouger l'équipe à chaque moment. Finalement, il n'avait pas d'équipe type en tant que telle. Il prend ses joueurs selon l'adversaire en face et il sait ce qu'il fait, il sait là où il va. Par exemple, il dit à Marcelo, oui, ce match-là, tu ne peux pas le jouer. C'est Ferland que j'ai envie de mettre. Donc, ça ne veut pas dire que tu n'as plus ton on va dire... Malgré l'expérience du Brésilien. Voilà, donc je pense qu'il sait parler, il sait mettre ses joueurs en confiance et même les joueurs qui jouent une minute sont importants que ceux qui jouent 90 minutes tous les jours. Donc, je pense que c'est aussi ça, Zidane. Et en défense, il n'y a rien à dire. Meilleure défense avec 25 buts, il fallait le faire. Il fallait le faire. Champion d'Espagne à une journée de la fin, avec 5 points d'avance sur le FC Barcelone. On va parler de Zidane. Doit-on penser que c'est un Africain, puisqu'il est Algérien, ou on doit dire Zidane le Français? Parce que quelque part aussi, Karim Benzema est d'origine algérienne. Moi, je le dis avec orgueil. Que oui. C'est un franco-algérien, je précise toujours. D'accord. Ce côté, bon, c'est ça. Fifi, est-ce qu'il y a une polémique à dire? Algérien, franco-français, français, c'est tout court. C'est un français pour c'est moi. Français, c'est vrai voilà. Que dans cette histoire de coronavirus, il apporte beaucoup à l'Algérie, mais bon, c'est un français. Il a joué au haut niveau en tant que français. Exact. Et on dit tout le temps le coach français du Real Madrid. Alors, parlons. C'est un franco-algérien, parce que ses origines ne peuvent pas le fuir. Exactement. Donc, quoi qu'on dise aujourd'hui. Il y va de temps en temps, de toutes les façons. C'est un franco-algérien. Et marseillais de cœur. Ouais. Hein. Voilà. Il faut le préciser. Voilà. On va parler d'un autre Algérien ou franco-algérien, il s'agit de Karim Benzema, qui a fait une saison exceptionnelle également, 21 buts marqués. Ça n'arrive pas souvent pour l'attaquant madrilène. Oui, on a vu son implication dans le sacre du Real Madrid. Oui. Après le départ de Cristiano, on se disait est-ce qu'il va pouvoir porter cette équipe du Real Madrid. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il a fait. Il a fait à sa manière. C'est vrai que pas comme CR7, mais il a fait à sa manière, aidé aussi par le boss, l'Indien Ramos. Et voilà, moi, je me dis que ce sont qui ont été les deux hommes véritablement forts de cette équipe-là. De cette équipe. Et donc, il a joué sa partition. Karim Benzema, alias KB9, 21 buts marqués lors de cette saison du côté de la Liga espagnole. 4 de moins qu'un certain Lionel Andrés Messi. Alors, on va jeter un coup d'œil au classement de cette Liga espagnole. Le Real qui est devant avec 87 points, c'est bien terminé. Le Barça, deuxième, 82 points, 70 pour l'FC Séville, tout comme pour l'Atlético de Madrid. On va parler de cette équipe du Barça. Franck Lounyama, une fin de saison frustrante pour Lionel Messi et ses coéquipiers. Une fin de saison assez compliquée pour les coéquipiers de Lionel Messi. Changement d'entraîneur, pas de stabilité au niveau du staff technique, pas de
stabilité au niveau même de la défense, oui, de l'axe défensif de cette équipe. Je crois qu'ils ont été un peu fébriles lors de pouvoir recommencer ce championnat, oui, alors que c'est à ce moment-là qu'il fallait être concentré, qu'il fallait être solide. Donc c'est ce qui a fait, on l'a dit, la force du Real Madrid. C'était pas une équipe géniale, mais c'était une équipe bâtie pour gagner le championnat cette combative fois-ci. Ça n'a pas été le cas du Football Club Barcelonais, qui a douté à plusieurs reprises malgré le talent de Lionel Messi. Cette fois-ci, ils ont je veux dire coulé, oui, parce que perdre le championnat de cette façon, c'est un peu une catastrophe. Ça n'arrive pas souvent au niveau du Football Club Barcelone, mais c'est quand même une très très bonne équipe à ne pas négliger. Ils ont essayé de faire quelque chose qui cette fois-ci n'a pas marché, mais bon, ça demeure quand même le Football Club Barcelone. À quand le départ de Messi du Barça pour retrouver peut-être une autre équipe, parce que beaucoup disent que oui, bon, il ne connaît qu'un seul club, bon, il n'a qu'à bouger un peu comme Cristiano Ronaldo. Non, je crois que c'est impossible. C'est impossible. Messi doit beaucoup à ce club. Messi ne peut jamais quitter ce club. Mais bon, il a 33 ans maintenant. Il ne faut jamais dire jamais, mais oui, je pense que Messi veut vraiment gagner quelque chose avec ce club. Surtout que la Ligue des Champions les échappe depuis 5 ans. Oui, depuis 5 ans. Voilà, la dernière fois, c'était en 2015. Il va chercher coûte que coûte à remporter quelque chose avec ce club. Mm. Donc, l'histoire n'est pas encore terminée. L'histoire n'est pas encore terminée. Lionel Messi qui a... Moi, je ne le vois même pas quitter le Barça. Hein. Bon, peut-être à la fin de sa carrière. Peut-être à la fin de sa carrière pour des zones exotiques, pour aller faire beaucoup encore plus d'argent. Alors, en football, quand il y a des rumeurs qui circulent comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se trame au niveau du Football Club Barcelone. Ouais. On parle de son départ à la fin de son contrat en 2021. Exact. Mais qui sait, le joueur peut avoir envie d'aller... Voir ailleurs. Voir ailleurs. Tout est possible. Parce que là, hein, lorsque vous voyez ses attitudes, ses habitudes ces derniers temps, ses sorties médiatiques, voilà, il dit que le Football Club Barcelone n'est plus ce club-là qu'il connaissait et n'a pas de projet, en tout cas, qui soit fort. Donc, c'est quelqu'un qui, pour le moment, est en train de douter par rapport aux résultats de cette saison. Mais on verra la suite. C'est qui est quand même assez curieux. Mais de toutes les façons, ce sont des choses qui arrivent dans le monde du football. Lionel Messi qui finit meilleur buteur et meilleur passeur de la Liga avec 25 réalisations, 21 passes décisives. C'est le quatrième titre de Pititi consécutif pour l'Argentin. Il devient le seul joueur de l'histoire de la Liga à gagner 7 fois le trophée de Pititi. Et oui, il fait mieux qu'un certain Telmo Zara de l'Athletic Bilbao. Et lui, c'était dans les années 50. Alors, le troisième meilleur buteur de ce championnat pour nous, Gérard Moreno de Villarreal, avec 18 réalisations. On parle des équipes classées 5e, 6e et 7e, qualifiées pour la Ligue Europa, les sous-marins jaunes et les basques de la Real Sociedad, directement en groupe. C'est Grenade, le promu, qui prend la place de Retafe de Genda Konam. C'est regrettable, hein, et c'est décevant. Parce que avant le confinement, et Getafe était cinquième au classement. Bien sûr. Et donc, avec sa place, même pouvait aller même titiller les grands pour chercher une place en Ligue des Champions. Oui. Du retour aujourd'hui, Getafe est classé 8e. 8e. Exact. Avec 54 points. Sur les 11 matchs, il n'y a eu qu'une seule victoire. C'est quand même incroyable. 5 nuls, 5 défaites. Aïe, aïe, aïe. Et ils n'ont pas bien préparé la reprise, oui, selon vous. Oui, je crois qu'ils n'ont pas bien préparé la reprise. C'est ce qui explique cela, parce que quand on voit leur dynamique avant le confinement et ce qui s'est passé après, je ne sais pas à quel niveau c'est. Ont-ils cru que le championnat n'aura plus lieu? Non. Il n'y aura plus de restart? Non, il faut s'attendre. Ils savaient que le championnat... On est quand même en Espagne, on n'est pas en France. Des championnats comme l'Espagne, l'Italie, la première ligue, je ne vois pas ces championnats s'arrêter à mi-chemin. Mm. Ils feront tout pour terminer. C'est ce qui s'est passé. Ils ne se sont pas bien préparés. Ils l'ont payé cash. Surtout quand on joue à ce niveau-là, ça se paye cash. Ah, la déception, elle est quand même plus ou moins relative. Genda Konam, oui, tout le monde voyait cette équipe de Retafe quand même aller en Ligue des Champions. Ils sont en Ligue Europa à l'heure nous parlons, puisqu'ils vont disputer un match contre l'Inter Milan. Oui, bon, c'est pour le compte de cette saison. De cette saison, justement. Oui. Quel est votre avis sur la saison du Togolais? Je pense que bon, il a fait une grosse performance pour cette saison quand même, mais désolé pour lui parce que son club a chuté carrément depuis la reprise. Je pense que les joueurs de Getafe psychologiquement n'y étaient pas. Ils ont péché de ce côté. Psychologiquement, ils n'y étaient pas. Contrairement aux autres équipes même qui jouaient le maintien, ils étaient bien en forme psychologiquement. Parce qu'il faut être psychologiquement en forme pour pouvoir aller sur la pelouse. C'est ce que
l'équipe de Getafe n'a pas pu réaliser. Voilà. Et votre réaction sur c'est dommage, cette sortie c'est même difficile, frustrant hein pour Djenda Konam et ses coéquipiers. Lorsque sur 33 points, vous ne gagnez que 8, c'est-à-dire une victoire, 5 nuls et puis 5 défaites, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de très très fort. Djenda Konam, tout le monde le voyait en Ligue des Champions, au pire des cas en Ligue Europa. Mais lamentablement, ils ont tout perdu et ils ne seront même pas en Ligue Europa pour la saison à venir. C'est quand même très très dommage. Mais le capitaine des Éperviers reste quand même un exemple sur les défenseurs africains évoluant en Europe et on estime quand même qu'il a, on va dire, l'étoffe pour espérer aller voir ailleurs, pour espérer jouer dans un grand club autre que Getafe. Oui, sa saison à lui est exceptionnelle. Et si on prend la performance personnelle, je crois que c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Il a joué pratiquement tous les matchs et il a été capitaine, il a été très bon dans ces matchs-là. Et c'est le résultat collectif qui n'a pas suivi. Et comme l'a dit tout à l'heure Franck, il doit viser grand maintenant. Je crois qu'il est à un point où il doit viser véritablement grand, chercher un club avec lequel il pourra jouer, pourquoi pas la Ligue des Champions. Djenda Konam, en tout cas, plein succès à vous pour la suite et vivement, pourquoi pas dans un autre majeur que la Liga. On s'intéresse aux relégués, il y a Leganés oui, qui a lutté corps et âme hier face au Real Madrid, mais ce n'est qu'un nul de deux buts partout. Leganés qui rejoint la Segunda División, tout comme Mallorca qui était promu. Cette équipe prend l'ascenseur aller-retour. Et puis Espagnol-Barcelone également, bon dernier avec 25 points, qui va jouer en deuxième division. Alors, on s'intéresse à d'autres chiffres. Le nombre de buts marqué dans cette Ligue au total 800 buts inscrits lors des 380 matchs. Il y a 1595 cartons jaunes distribués, soit 4 par match, et puis un total de 69 cartons rouges. Nous rappelons que la Ligue a été interrompue le 11 au mars et puis repris le 11 au juin. Et derrière, on a vu le sacre du Real Madrid. Alors, la prochaine étape pour les Merengues, la Ligue européenne des champions? Bien sûr. C'est notre deuxième objectif, même si on ne l'avait pas dit dès la reprise du championnat. Nous avons au moins dans notre coin cet objectif à coûte que coûte réaliser. Vous pensez que ça reste quoi, un défi pour Zidane? Il faut encore aller chercher ce trophée? Bien sûr, même si Zidane est très tranquille actuellement dans ses déclarations, tu sens en même temps que le gars pense directement à la Champions League, tout comme les joueurs. Surtout le capitaine Ramos, même s'il va rater le match retour, le match face à City, ça promet. En tout cas, nous rappelons que ce sera à partir du 7 août, hein, le retour un peu formaté de cette Ligue des Champions. face à City qui reçoit le Real Madrid, même si ce sera dans un stade à huis clos, voilà, c'est tout ça. Le coronavirus continue de faire son petit bonhomme de chemin et de plier les hommes à sa volonté. On a dit tout ce qu'il fallait pour la Liga espagnole, vous voulez ajouter quelque chose d'autre? Non, pour dire tout simplement que c'est une mission compliquée pour le Real Madrid d'aller chercher une victoire du côté de City. Oui. Il fallait marquer 2 buts pour pouvoir se qualifier, de plus que Manchester City, ou bien un résultat de 3-2 les qualifierait. Ce n'est pas impossible, mais il faut dire que la mission est très compliquée. Et on connaît cette équipe-là qui a un peu dans son ADN cette compétition. Et on pense que Zidane, dans un coin de sa tête, a envie quand même d'aller faire un joli hors-d'op là-bas. Pourquoi pas? Tout est possible pour ce compétiteur. Ex-joueur, désormais entraîneur, Zinedine Zidane. Alors, d'autres Africains qui se sont illustrés dans cette Liga espagnole, on parlera de Youssef En-Nesyri, le Marocain de FC Séville qui a inscrit 8 buts concernant cette saison. Il y a Alan Niom, le coéquipier de Djenda Konam, du côté de Getafe, qui s'est offert 2 buts. 2 buts également pour Ramon Aziz, le Ghanéen de Grenade, tout comme Roger Assalé de Leganés, l'Ivoirien, et puis Samuel Chukwueze, le Nigérien de Villarreal. Fini pour la Liga espagnole, cette fois-ci, nous débarquons du côté de destination de Salatesta, Milinkovic, tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche in Deep Cup.
Nous parlons de la Serie A italienne, la journée 34 qui enregistre les résultats suivants. L'AS Roma qui fait 2-1 face à l'Inter Milan. Le Napoli qui s'impose 2-1 devant l'Udinese. 2-0 pour la Fiorentina face au Torino. Il y a également ce score intéressant du Milan AC qui explose. Bologne 5-1 avec cette victoire également de Brescia, de Balotelli, même s'il n'est plus dans le club, face à Spal Ferrara. Le gros match qui attend justement la péninsule, ce sera la Juventus face à la Lazio Rome, Fifi. Si jamais la Juve gagne, la voie sera libre. Mais si c'est la Lazio qui s'impose, la Lazio revient à 5 points de la vieille dame. En tout cas, depuis le retour du championnat, on ne voit plus cette Juve-là transcendante. On voit plutôt une Juve un peu timorée, dérangée de partout par les clubs. Et je me dis, ce sera encore compliqué. Mais maintenant, la Juve, évidemment, a les armes nécessaires pour venir à bout. Et le contraire va nous surprendre un peu. Mais si on dit aujourd'hui qu'on doute un peu de cette Juve, c'est par rapport à ses résultats depuis le retour de la compétition. Alors, cette équipe de la Lazio Rome, Franck Lugnama, avec Ciro Immobile qui n'arrive plus à marquer, doit-il se réveiller enfin? Parce qu'en face, ce sera la Juventus Turin. Oui, il va falloir retrouver sa confiance et peut-être c'est une occasion pour Ciro Immobile de marquer parce que vous connaissez la défense de la vieille dame ces derniers temps. Ce n'est pas une défense stable, ce n'est pas une défense qui rassure. Ils ont pris combien face à l'Atalanta? C'était 3-2. Oui, ils ont fait match nul. Match nul. Voilà. Et la dernière fois, il y avait 3-3. Donc, c'est une défense qui ne rassure pas, qui est un peu douteuse ces derniers temps. Donc, il va falloir rapidement se resserrer les coudes. Sinon, c'est un match pas gagné d'avance. La Lazio est, je crois, 4e ou 5e. Exact. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a match parce que cette équipe de la Lazio a envie quand même de retrouver, d'être parmi ceux qui disputeront la Ligue européenne des champions. Donc, attention à la vieille dame. Il va falloir se rassurer, se remobiliser pour prendre des points dans ce match. Cette Lazio aussi, on aurait aimé, le public quand même aurait aimé qu'elle soit aussi compétitive pour titiller la Juve. Mais ces derniers moments, sur les 7 derniers matchs, il n'y a eu que 2 victoires pour les Bianco Celesti. Oui, on peut dire que la reprise n'a pas été du tout positive pour le moment pour la Lazio de Rome. Et espérons que demain, ce soir plutôt, oui, il fera... À 19h45. Il fera une bonne figure. Vous souhaitez la victoire de la Lazio face à votre Cristiano Ronaldo? Pas forcément. Même si la Juventus est une équipe qui ne rassure pas défensivement, même en attaque, il n'y a que Dybala qui répond, ou parfois... Et on a Cristiano Ronaldo. Oui. Sinon, l'équipe est complètement décousue. Vous les sentez fatigués ou c'est quoi le problème? Oui, fatigué, je peux dire que c'est le coach. Ou c'est Sarri le problème? C'est Sarri le problème. Ah, d'accord. Oui, c'est Sarri le problème. On attend de voir parce que la Juve aussi est en lice pour la Ligue européenne des champions. Ce sera face à Lyon. Attention, les Gones se sont imposés, certes petitement, mais tout reste à croire que le match retour s'annonce assez compliqué pour les hommes de Rudy Garcia. Alors, on va s'intéresser au classement de cette Serie A italienne au sortir de la 34e journée. Il y a la Juve qui est devant avec 77 points. 72 pour l'Inter Milan qui revient derrière les Bianconeri. On a l'Atalanta 3e avec 71 points. 69 pour la Lazio Rome et puis 58 pour l'AS Roma. Au bas du classement, on retrouve Lecce, 29 points, 24 unités pour Brescia. Le bon dernier, Spal Ferrara, sûrement condamné pour la Serie B italienne. Alors le match entre Cristiano Ronaldo et Ciro Immobile se poursuit, 29 pour l'Italien et puis 28 pour le Portugais. Oui, la question revient sans détour. Qui voyez-vous finir capo canoniere? Cristiano Ronaldo. D'accord, sans détour. Franck Lugnama. Cristiano Ronaldo. Ouais. Ça fait 3-0. Ciro Immobile, vous avez la réponse à votre question. 3-0. Alors, on l'a dit, vous allez suivre ce soir le match entre la Juventus et la Lazio Rome à partir de 19h45, temps universel. Un match, peut-être, qui sait, le tournant de la saison, puisque le match aller, la Lazio s'est imposée face à la Juventus Turin. Fini pour la Liga, donc pour la Serie italienne. Cette fois-ci, on va parler English. English Premier League News.
Avant d'aborder le championnat, on va s'intéresser à ces matchs de coupe de FA Cup, Arsenal et Chelsea en finale. Vous l'aviez vu venir, les deux équipes de la grande ville de Manchester qui tombent. J'ai vu Chelsea venir parce que déjà, je crois au match aller, oui. Chelsea avait largement battu Manchester United. Et vu que Manchester veut gagner une place en Ligue des Champions, oui. Je me disais, par rapport au score de l'aller, le Manchester va vouloir épargner certains pions, ne va pas vouloir jouer avec tout le monde, ne va pas trop chercher à gagner. Et c'est ce qui s'est réellement passé avec une nouvelle défaite 3-1. Ça ne me surprend pas. Mm. Mais c'est quand même Man City qui m'a le score de Manchester City. Oui, face à Arsenal. Arsenal 2-0, ah, je ne m'y attendais pas du tout. Parce que c'est vrai que Arsenal, depuis le retour de la compétition, a titubé un peu, mais oui. Depuis quelques journées, rassure. Même en championnat, ils ont perdu lourdement face à City. Oui, en championnat, ils ont perdu lourdement face à City. Donc, et quand on voit ce que City fait depuis le retour de la compétition en championnat, je ne m'attendais pas du tout à ce score-là. Est-ce que Guardiola serait en train de dire bon, c'est pas la peine, on va se concentrer sur la Ligue des Champions, ou Arsenal a mérité de passer en finale? Moi, je peux dire que Arsenal a mérité de passer. Ouais. Parce que Guardiola ne voulait pas tomber face à son ancien. Oui. Disons, adjoint, son élève, on peut le dire ainsi. Voilà. Donc, si tu vois bien les réactions de Pep depuis son banc de touche, il était vraiment frustré. Il faut voir les images. Mmh. Ouais, oui, il est en train de parler. Franck, je ne sais pas. À une chaise, je ne sais pas. Au siège où il n'y a personne. Donc, il est frustré. Donc, voilà. Je pense que c'est une très belle performance des Gunners ces derniers temps. Ils ont battu deux grosses écuries du championnat en l'espace de quelques minutes. Liverpool et Manchester City, les deux premiers du championnat. Donc, Mikel Arteta peut-être a retrouvé la solution. On ne va pas trop vite se jeter dans une certaine euphorie. Ouais. Mais ces deux victoires vont quand même, on va dire, grandir les joueurs dans leur psychologie, dans leur mental pour la suite de cette saison. C'est quand même très très important de pouvoir aller chercher ces deux victoires-là. Et on retrouve Lacazette, on retrouve Aubameyang, on retrouve une équipe très 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 efficace devant, et je pense que ça fait du bien à Arsenal. Ah oui, Aubameyang, Arsenal peut dire merci justement à l'international gabonais qui s'est offert un doublé face à la formation de Pep Guardiola. Et puis on parlait tout à l'heure de Chelsea qui a pris la mesure de Manchester United 3-1 grâce à Mason Mount, Olivier Giroud et puis un certain Maguire. On va parler du championnat et puis l'équipe de Tottenham qui revient peu à peu, même s'il ne reste qu'une seule journée, mais il faut bien terminer le championnat. Vous l'aviez dit, hein, Mourinho n'a pas eu la main pour commencer, débuter le championnat. Mais là, 3-0 face à Leicester, il faut le faire. Hein. Oui, il faut le faire. Il fallait pas s'y attendre non plus parce que Leicester, on sait qu'il était en lutte pour la Ligue des Champions. Pour la Ligue des Champions, oui. Toujours en lutte face à Manchester United. City et à Chelsea également. Et à Chelsea également, oui. Justement. Donc, on ne s'attendait pas à voir Leicester perdre lourdement de cette façon-là. Mais Tottenham aussi veut croire toujours. Je ne sais pas si Tottenham pourra rattraper Il reste un seul match. Hein. Ça serait compliqué. Ça serait compliqué, mais Tottenham veut croire toujours et terminer très bien cette saison. Parce qu'à un moment donné, même, on commençait à se poser des questions sur l'efficacité ou bien le travail de José Mourinho avec cette équipe. Il est en train de montrer qu'en finissant, il commence à revenir. Ah oui, cette équipe de Leicester, franchement, elle est en train tout simplement de fondre parce qu'à l'heure où nous parlons, il y a Liverpool qui est loin devant, City également, mais les places européennes se jouent entre Chelsea, Leicester, United. Chelsea n'a qu'un petit point sur Leicester et United, 63-62-62. Vous voyez Leicester rester toujours dans le top 4? C'est toujours serré. Hein. Ouais, très serré. Oui, c'est toujours serré. On Surtout que la dernière journée, Leicester joue United. Voilà. Je crois que ça va se jouer là-bas. Ah, voilà. Ok. Sur ce match, ça va se jouer. Ça va se jouer. Mais je vois Manchester monter. Ouais. Au top 4. Voilà. Ils sont sur une belle dynamique. Je pense que Leicester n'est pas en train de fondre. Cette équipe a déjà fondu. Elle a bien fondu parce que lorsque vous voyez un peu le classement de Leicester, c'était la deuxième position. Exact. Derrière Liverpool. Petit à petit, elle a dégringolé. Mmh. Brendan Rodgers et ses hommes ont perdu toute la verve qui les caractérisait en début de championnat. Et malheureusement, Leicester risque quand même d'aller en préliminaire de la Ligue Europa. Donc voilà,
faut que forcément qu'il gagne ce match contre les Red Devils qui ont un match en retard à jouer et qui pourraient même passer devant tout de suite avant ce match. Donc, tout à fait. Je pense que sur ce match de la dernière journée, il va falloir pour les Foxes de gagner. Vous l'aviez dit, United joue face à West Ham pour la 37e journée, ce sera mercredi. Liverpool jouera face à Chelsea et puis la 38e et dernière journée. Chelsea également. Chelsea aussi peut, pourquoi pas, pourquoi c'est pas. C'est vrai que Liverpool rester troisième, hein, champion, se détache avec City. Bon, ils sont loin. Hein. Et puis même Liverpool ne joue, ne se donne plus comme avant. Oui, c'est normal, non? C'est normal, ils sont déjà champions. D'accord. Et c'est peut-être cela qui serait la chance de Chelsea. De Chelsea. Chelsea. Oui, Chelsea justement est troisième avec 63 points. Ils peuvent conforter leur troisième place qualificative directement pour la Ligue des Champions. Le dimanche, on aura toutes les rencontres sous les coups de 15h. Alors, on aura Leicester City face à Manchester United, on en parlait tout à l'heure. Chelsea qui reçoit Wolverhampton et puis la formation de Tottenham qui joue déjà face à quelle équipe là? On va voir sur notre calendrier. Tottenham joue chez Crystal Palace. On suivra toutes ces rencontres et le lundi, on aura l'occasion d'en parler dans le décryptage. Alors, la bataille pour le titre de meilleur buteur également est rude de ce côté. Vardy, 23 buts. Ings, 21 réalisations. Aubameyang, 20. L'Africain peut y croire. Ce sera compliqué maintenant. Compliqué, voilà. Ce sera compliqué. Je crois qu'il avait l'occasion à un moment oui, donné. Oui, il était derrière. De Vardy. Et Arsenal joue qui Arsenal joue ce week-end. Oui, justement. Arsenal va jouer la formation d'Aston Villa. Ce sera mardi. Donc, il peut s'il fait un doublé, pourquoi pas. Deux matchs et puis un seul match pour Leicester. Voilà. Donc, c'est possible. Et puis, la dernière journée, Arsenal reçoit Watford. S'il fait quoi, deux doublés, il pourra, pourquoi pas, dépasser Vardy. Qui est Vardy actuellement ne marque pas contre Manchester United. C'est ça le gros souci. Ouais. Et puis Ings aussi qui revient, qui justement est à deux buts de Vardy. Oui. Donc la lutte va être très serrée. Très très serrée. Jusqu'au bout, en tout cas. Oui, l'attaquant de Southampton, Danny Ings. Fini pour la Première Ligue anglaise. On va remonter le générique Plateau Foot Europe. Et derrière, on va essayer de parler un peu de ce qui se passe du côté de l'Hexagone. Alors, Fifi Assogbavi, on va parler de cette information qui nous est venue du Rocher, du club du Rocher. On parle de Monaco qui, encore une fois, remplace un entraîneur. Moreno qui arrive il y a quelques mois. Désormais, l'AS Monaco qui va être entraîné par Niko Kovac. Qu'est-ce qui se passe? Monaco même, je dirais que depuis quelques années maintenant, c'est un club à problème qui arrive quand même à former de grands joueurs. On a vu l'Mbappé, l'autre de Manchester United. Et Martial. Martial, tout ce monde l'a passé par là. Mais on a toujours dit le grand défaut de cette équipe, c'est de vendre automatiquement après ces très bons joueurs et de les vendre tous et puis de vouloir former encore d'autres. Et on voit le résultat sur le terrain. Monaco, c'est une équipe taillée en France pour jouer les premiers rôles, pour jouer la Ligue des Champions. Mais maintenant, on ne sent plus cette équipe-là. Mais ce qui m'agace un peu, c'est déjà qu'on ait voulu remplacer Moreno. Il venait à peine d'arriver. À peine arrivé, à peine quelques mois. Et ses résultats n'étaient pas aussi catastrophiques que ça quand on voit tout ce qui s'est passé à Monaco au cours de la saison, avant même le début de la saison avec Thierry Henry qui est passé par là. On a vu tout ça. Et bon, maintenant, ce changement d'entraîneur peut se situer dans un cadre précis d'un peut-être renouveau. Maintenant, s'ils veulent véritablement faire un renouveau... Mais ils n'avaient pas vu ça avec Moreno avant qu'il n'arrive. Voilà, c'est ce qui m'étonne. Maintenant, si Niko Kovac arrive, et si c'est pour redynamiser l'équipe, il faut que la gestion suive également. Si Kovac va arriver, ensuite on va encore commencer à se mettre à chercher plus de l'argent en vendant les joueurs, en détruisant l'équipe. Oui. Je crois qu'on aura encore les mêmes problèmes malgré l'arrivée de ce nouvel entraîneur-là. Donc il va falloir qu'avec l'arrivée de Kovac, qu'on associe tout cela à une très bonne gestion de club. Et je crois que c'est dans ce sens-là seulement que ça pourrait aller. On parle de Kovac. Moreno, il est viré. Moreno qui est viré. Kovac, l'ancien du Bayern, qui arrive pour une durée de 3 ans. Vous pensez qu'ils vont enfin tirer des leçons de ce qui s'est passé ultérieurement sur ce qui s'est passé, on va dire, ces derniers mois? Rien n'est sûr. Rien n'est moins sûr pour Niko Kovac.
Donc, je pense que l'oligarque russe et son bras droit, Oleg Petrov, veulent des résultats tout de suite. Alors qu'en football, il faut avoir la patience, il faut construire. Je crois que Robert Moreno est arrivé il y a juste 8 mois. Exact. Pour remplacer, on va dire, le technicien. Il n'a pas fait toute une saison complète. Non, il n'a pas fait une saison complète. Il était arrivé pour terminer une saison et Monaco était là où il devait être, mais on pense que c'est lui qui n'a pas fait le boulot. Le club est-il instable selon vous ? Mais je pense au niveau du staff technique quand même, surtout. Robert Moreno a été quand même l'entraîneur, le sélectionneur de l'Espagne. Exact. C'est un entraîneur qui a du vécu quand même, qui a de l'étoffe. Maintenant, l'arrivée de Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif du club monégasque, a été pour quelque chose dans le départ de Robert Moreno. Lui ne voulait pas de cet entraîneur-là. Il voulait pour lui un entraîneur qui a un peu du vécu sur l'échiquier européen, Niko Kovac, qui a été entraîneur de Francfort, d'accord, entraîneur du Bayern, qui a été viré aussi, oui, pour n'avoir pas su gérer, on va dire, le clash au vestiaire. Ouais. J'espère pour lui qu'il va pouvoir le faire. Il sera accompagné de son frère Robert. Donc, je pense que c'est une instabilité qui ne dit pas son nom. Maintenant, on a envie de mettre les moyens à un club qui a perdu des joueurs comme Mbappé, comme Sidibé, Bakayoko, Luis Fabiano, comme Mendy et puis tous les autres. Ce club-là, il va falloir du temps pour le reconstruire. Donc, je pense qu'il ne sert à rien de courir. Mais on va voir ce que Niko Kovac va pouvoir apporter. On espère bien que Monaco va retrouver, on va dire, son niveau d'antan. Le club du Rocher, vous voulez placer un mot, non, Julien? Beaucoup de regrets pour ce club quand même. Ah oui. Oui, parce qu'on sent que la politique même du club, c'est de former et de vendre ensuite. Voilà. Et ce qui est bizarre, ils vendent au même moment, ou bien la même saison, ils vendent toutes les stars, presque, de l'équipe. Donc, ils sont en train de recommencer. À chaque saison, ils recommencent. Et bon, la solution n'est pas de virer les coachs. Ça, c'est pas clair. Leur politique n'est pas claire à ce niveau. Il y avait un problème. Ah oui, je pense que Ribolovlev doit aller s'inspirer, hein, ou travailler avec Florentino Pérez. Voilà, pourquoi pas. L'ASM qui continue de piquer sa crise du côté de l'Hexagone. On va parler sans transition d'un club qui a été champion de Turquie, de la Super League, l'ancien club d'Emmanuel Adebayor, Istanbul Başakşehir. C'est pour la première fois dans leur histoire qu'ils sont sacrés champions. Félicitations à eux. Ah, malheureusement, oui, le Togolais s'en va, et parce que pendant qu'il était là-bas, Ils ont cherché à ce titre de champion, oui, en vain. Et c'est au moment où il est parti, ça fait déjà plus d'une saison quand bien même. Sûr. Et c'est à ce moment qu'il gagne. Félicitations, oui, dommage pour Emmanuel Adebayor. Istanbul Başakşehir, un club créé en 90, racheté ou revendu au parti politique l'AKP d'un certain Recep Tayyip Erdogan. Ouais. Et puis voilà, ils ont tellement de moyens, ils ont des joueurs comme Edin Vinska, Dembaba, Crivelli, Gaël Clichy, voilà quoi. Bon, premier titre derrière Galatasaray, 22 trophées, le Beşiktaş, Fenerbahçe. Je pense que c'est une consécration, parce que lorsqu'on est créé il y a seulement 30 ans, oui, et qu'on vient jouer les premiers rôles dans un championnat, on va dire, un peu amoindri lorsqu'on compare ça à ce qui se passe dans les 5 majeurs, oui, je pense que Başakşehir a fait du boulot et c'est bien pour eux d'en arriver là. Mais comme Fifi l'a dit, malheureusement pour le Togolais qui a quitté le bateau avant ce titre-là, ça aurait pu être un titre au niveau européen pour lui et au niveau d'un club, mais malheureusement non. Félicitations pour Başakşehir. Ils ont les moyens, vous l'avez dit. C'est quand même le tout-puissant Erdogan, ah oui, qui est en tête. Et voilà quoi. Voilà qui est dit. On va désormais vous donner la possibilité, chers auditeurs, de nous rejoindre dans l'émission Plateau Foot Europe. Vous connaissez les numéros par cœur, 92 03 60 31 97 24 26 26, pour pouvoir justement nous rejoindre, parler de l'actualité de vos clubs, le Real Madrid sacré. Pendant ce temps, on va demander à Théo Ajavant de nous passer l'hymne du Real Madrid pour faire un véritable coup de cœur, hein, à tous ces madrilènes là pour le titre de champion. On va prendre déjà quelqu'un qui est en ligne. Bonjour monsieur Angel Polico. Oui, Padé, il y a le sourire au coin des lèvres ce matin. Ah oui, je t'avais dit ça la fois dernière que nous allons prendre le titre. Voilà. Avant, je me doutais, mais aux quatre derniers matchs, j'ai vu que le livret doit passer. Ah oui, ça c'est bien ça. Voilà, nous sommes champions. Oui. Félicitations à Zidane qui fait tout pour l'équipe.
sinon l'équipe était dans la rue. Il a tout et ça s'est bien passé. Alors, selon toi, quelle est la force de l'entraîneur au crâne rasé? Il sait comment gérer son joueur, il sait parler aux joueurs. Ah oui, c'est l'homme qui sait parler aux joueurs. Hein. Oui, il sait parler aux joueurs. Il doit continuer l'aventure avec la Casablanca? Pourquoi pas? Ah, vous ne croyez pas qu'il va encore repartir, hein? Il va repartir. Il va repartir. Seulement la Ligue des Champions de cette année, je ne crois pas qu'il pourra faire quelque chose. Nous sommes en foot. Le reste le foot. Ah, d'accord. J'espère que vous serez encore là pour parler de la Ligue des Champions prochainement. Hein. Voilà. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Kaokari. Ah oui, Ibro le Barcelonais, il a disparu de la circulation. Voilà, vivement. Hey, Ibro, il faut ressortir de ton bunker. C'est aussi ça le fair play, hein, venir féliciter les Madrilènes. On va prendre quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour, c'est Charles Benez. Pardon ? Charles Benez, de faire comme ça. Charles, comment ça va là-bas ? Oui, ça va bien. Et vous ? Nous allons tous bien aussi. Ah. Nous vous écoutons. Ah, moi, je vous dis que je vais sauver la saison avec le trophée de la FA Cup. Oui, oui, oui. Je ne connais pas encore la date de la finale. D'accord, on va. Juste dire à Dieu de que cette fois-ci, je vais remporter ce trophée-là. Ah oui, il est à l'écoute, il va arriver tout à l'heure. C'est seulement depuis que je l'ai lancé la dernière fois, mais ils n'ont pas pu arriver en finale. Ah, donc, oui. Tant pis pour eux. C'est aussi ça le football, hein? C'est aussi ça le football. Ah oui. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Charles. À très bientôt. Oui, à très bientôt. Bonjour à vous. Merci infiniment. On rappelle que la finale de la FA Cup, ce sera le 1er août prochain. Ce sera un samedi entre Chelsea et Arsenal. Une finale 100% londonienne. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur Angelo Folicu. Comment vous portez-vous? Très bien, comme si elle était en Italie. Ah oui, super. Alors, nous vous écoutons. Je dis bonjour à vous. Merci, bonjour. Je pense bien que sur cette finale, mais de la Serie A italienne. Ce soit au moins doublé pour pouvoir viser aussi le soulier d'or. Pourquoi pas? Bien de choses aux Madrilènes. Oui. Qui sont battus, qui ont eu le titre. Exact. Et courage au Barcelone aussi, à la Ligue des Champions aussi qui est là, donc il faut aller se chercher là-bas. Pourquoi pas? J'ai dit bonjour à M. Romo Yotossi. D'accord. C'est bien noté, Giratson. C'est Gidas, le coach. Ah, c'est Gidas, oui. Dadewi? Oui. Ah ouais, super. Allez, merci, Gidas. Merci. Et bon courage à vous. Belle journée. On va prendre quelqu'un d'autre, auditeur. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le plateau. Oui, Joël Haï, comment vous portez-vous? Alhamdoulilah, je suis toujours debout. Bon, la FA Cup vous échappe, mais vous vous concentrez sur la Ligue des Champions. Non, en fait, on a compris à la dernière minute que la priorité de Ole Gunnar Solskjaer n'est pas la FA Cup, mais plutôt la troisième place. D'accord. Pour la Ligue des Champions. D'accord. Et comme je voulais toujours dire, Manchester va toujours et toujours jouer la Coupe européenne cette saison. La saison à venir. La saison prochaine, la saison prochaine, voilà. D'accord. Oui, du côté d'Espagne, je peux dire que c'est plutôt le Barça qui a permis. Le Real s'est vraiment battu, mais le Barça, le fait d'avoir joué, soufflé et le chaud et le froid par moment, a permis au Real Madrid d'empocher le trophée. Quel est votre avis sur le travail de Zizou? Non, c'est un monsieur, il est magnifique, c'est un monsieur tout simplement, on peut dire. Il est né sous une très bonne étoile, super. Comme vous le savez très bien, ouais. Et la chance me sourit toujours. Mm. Et il est tout, on peut dire il est au bon endroit, au bon moment. Au bon moment. Et c'est un monsieur dont l'aura aide énormément cette équipe. Même toutes les équipes qu'il a eu à, où il a eu à jouer, donc il a toujours été exemplaire. Et voilà, bonne chance à lui, bonne suite à lui. Je suppose qu'il va encore quitter le Real. Ok, merci et bonne suite à vous également et belle journée de lundi. Je vous en prie, bonne suite d'émission à tout le monde. Merci, à bientôt Joël Haï. Oui, Zinedine Zidane, en tout cas, c'est un exemple à suivre dans le monde de l'entraîneurat. Quelqu'un d'autre, notre amoureux de cette émission nous rejoint. Bonjour, bienvenue. Allô? Vous êtes en direct, bonjour, bonjour. Un petit souci... de réseau pour retrouver. Voilà, il est là. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Angelo Folicu. Vous allez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît?
Oui, c'est Peco Mathieu depuis Enfouin dans le lac. Ouh, depuis Enfouin. Oui. Comment ça va là-bas, Peco? Bon, ça va bien. Vous nous recevez 5 sur 5? Oui, 100% même. Merci. Teko, nous vous écoutons. Oui, tout juste pour vous saluer, pour vous encourager pour l'émission. Merci infiniment. Oh, merci. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Nous saluons toute la population d'Enfouin, hein, puisque moi, je suis originaire justement de la région. Voilà. C'est un frère qui vient nous appeler comme ça. Bonjour. Allô, bonjour. Comment ça va? Je me porte à merveille. Oui. C'est la part de Moussa depuis Agouazongo. Moussa, salam alaikum. Comment ça va? Wa alaikum salam salam. Alors, nous vous écoutons, Moussa. Le retour de Zidane à Real fait vraiment mouche. Ah, d'accord. Car le Real, Zidane connaît le secret du Real. N'est-ce pas? Donc, pour le moment, on s'apprêtait encore pour le titre de Champions League. Ah bon? Ah, ça, on doit l'avoir encore. C'est possible? Oh, pourquoi pas? Voilà. Mais dites-moi, est-ce que Zidane pourrait entraîner un autre club à part le Real Madrid dans les années à venir? Oui. Un entraîneur, c'est un entraîneur. N'est-ce pas? Bon, arriver dans un club, bon, si tu as vu que le tactique de club, bon, ça ne t'intéresse pas, toi-même, tu peux changer le tactique et puis mettre ça à ton égal. Voilà. Donc, Zidane est un entraîneur. C'est pas que Real seulement. Même aujourd'hui, si Zidane change le club, ça te l'apparaît. Vous l'avez vu jouer, Zinedine Zidane, vous? Oui, oui, oui. Ok. D'accord. Oh, bon. Depuis son début jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai vu les jeux de Zidane. Oui. Oh, oui. C'était... Pas de nous. Ok. On continue comme ça. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Moussa, bonne journée également à vous du côté d'Agouenivé. Merci. Il y a un autre qui veut également participer à l'émission. Bienvenue, bonjour. Bonjour, Angelo. Vous allez lever la voix, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, autorité. Oui, Yaya. Oui, lui-même, cher et à nous. Comment vous portez-vous? Très bien. Bonjour, ah, oui. Julien. Une saison aboutie, hein? Oui, comme je te l'avais dit. Oui. C'est le départ, la reprise après le confinement. C'est ça. Le calendrier du Real est très favorable. Et le titre est acquis. Maintenant, le plus dur reste à venir. Et je crois que ça passe ou ça casse. Ah, d'accord. Vous aviez eu parfois un sentiment de doute dans cette Liga-là, ce dernier virage? Oui, 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 effectivement, parce que avec le Barça, comme adversaire, il ne faut jamais être sûr de... Il faut lutter jusqu'au bout. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, il faut lutter jusqu'au bout avec les adversaires comme le Barça. Oui. Et il fut un temps, j'ai douté, mais même jusqu'à la reprise, je doutais, mais avec les trois matchs nuls du Barça, oui. En tout cas, c'est une saison aboutie. Hein. Force et courage, justement, ont été justement les mots d'ordre de cette équipe de Zinedine Zidane. Bravo à vous encore une fois et encore félicitations. Et il faut bien noter aussi que Zidane est un vrai manager, un vrai meneur d'hommes. Un vrai meneur d'hommes. Et vraiment, c'est un cadeau. Ah oui, comme un chef d'armée. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Yahya. À bientôt. Il y a quelqu'un d'autre sur Théo qui est là. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Oui, nous voulons vous connaître. C'est Papa T. Papa T. Papa T, oui. Ah, l'Atlético de Madrid, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors, nous écoutons. Bonjour à vous. Bonjour. Bon, le titre est bon. Il n'y a rien à dire, c'est l'été. C'est un grand entraîneur. Oui. Quoi qu'on dise. Oui. Mais seulement la question reste posée, si je parle de Real, est-ce que quelqu'un d'autre peut faire ce qu'il a fait? C'est ça le problème. Pourquoi pas? Mais c'est possible, hein? Oui, c'est possible, mais à voir ce qu'il affiche, ce qu'il montre ces derniers temps, c'est difficile qu'un entraîneur vienne faire. Vous pensez qu'il met la barre assez haut pour pouvoir vraiment empêcher les autres d'y arriver? Ça, c'est normal. C'est normal. Alors, c'est normal. Votre équipe, l'Atlético de Madrid, est toujours en lice pour la Ligue Européenne des Champions. Vous pouvez la gagner cette année? Non, c'est possible. C'est possible, oui, justement. Et je crois en ça. D'accord. Parce que souvent, les confrontations directes de la société, il est compliqué à battre. Donc, oui. C'est possible qu'il la reste cette année. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Papa Athée.
Non, de rien. De nous avoir appelé, merci pour la fidélité. À bientôt. On va prendre le dernier. Théo Ajavon, bonjour. Bonjour, mon frère Angelo. Oui, nous allons bien et vous? Ah, ça va, c'est vous. Nous allons tous bien également. Je manque rien. Dodji. Oui, mon frère. Vous êtes en forme, même si la dernière fois, vous n'avez pas gagné. Ah oui, ça se comprend. On était pour la quatrième place. D'accord. Donc, on est obligé de diminuer l'équipe. Manchester de retour. Oui, le match qui nous attend contre West Ham. West Ham en train de chercher les points pour le maintien. Ça aussi. Va être difficile. Hein? Oui, c'est un peu, ça sera un peu dur, mais la victoire sera de notre côté. Et le match contre Leicester, la dernière de la journée du championnat? Ça, c'est la finale. Ah, la grande finale entre vous deux. Ça, c'est la finale. Si, ah, même oui. Si Chelsea ne sait pas faire, là, on sera troisième. Si il y a un match dur avec Liverpool, là. Pourquoi pas? On verra ce que ça va faire. On espère voir tout ça, puisque lundi, on sera ensemble. Je suis très, très, très touché contre le licenciement de Mourinho. De Mourinho? Moreno, Robert Moreno. Moreno, de l'AS Monaco, hein, oui. D'accord, ok. Ah bon, vous merci savez, beaucoup. Ce sont les patrons qui décident. Merci beaucoup, hein, Dodji, à très bientôt, oui. On est ensemble. Merci bientôt. Pour la fidélité. On va saluer Cédric, Léonce Gbati, Raymond Assirbo, M. Botri Yahia, Michel Takpa, Ouroma Falilou, sans oublier Benoît Noussoupé. Un bonjour également à Charles Lignon, Evelyne Bénédicte, Sika Rovia, Noël de Souza, Fifi. Votre mot de conclusion? Je salue en tout cas tous les Madeleines, c'est mérité, félicitations à eux et à tous les Barcelonais du courage. Comme l'a dit tout à l'heure un auditeur, il voilà. Y a encore la Ligue des Champions, c'est encore possible. Pourquoi pas. Julien dans l'été. Oui, mes pensées aux Madeleines. Oui. Là-bas, Julien. Oui. J'oublie pas Sewa et aussi les Catalans comme Didier, Armel, Lionel et tout le PFE. Merci d'être passé nous voir. Merci. Franck Lounyama. Félicitations aux supporters de la Casablanca et voilà. Et puis les inconditionnels de cette émission. On voudrait dire juste excellente semaine et à très bientôt. Merci à toutes et à tous d'être passés dans ce studio Messanyame, à qui justement nous passons un bonjour cordial. Merci à Elom Adovon. La vidéo de l'émission est à retrouver sur radiosportfmtg.com et sur YouTube. Regardez encore et partagez-la. Merci également à Théo Ajavon qui a assuré la mise en onde. On se donne rendez-vous lundi prochain, toujours avec la bonne santé. Et oui, et surtout la bonne humeur toujours sur la radio qui mouille le maillot. D'ici là, portez-vous bien et surtout respectez les mesures barrières contre le coronavirus. Take care. Ciao, ciao.